Salut à tous. Alors, je voudrais parler de la grande amitié. Pour moi, c'est un aspect qui est vraiment important dans ma vie. De devenir un ami, pas simplement pour quelques personnes, mais un ami pour tout le monde. Et ça commence par quoi? Eh bien, vivre en harmonie, c'est quelque chose qui est tellement important. L'harmonie avec le tout, avec cette spiritualité qui nous relie et qui nous fait ressentir au fond de nous-mêmes qu'est-ce qu'une personne a besoin. Et c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'on comprend le besoin des autres, et qu'on sert véritablement à la satisfaction des êtres, à soigner leurs blessures, à les élever et pas les rabaisser, alors on devient véritablement satisfait en nous-mêmes. On ressent qu'on est un instrument, et alors on peut voir des choses qui sont vraiment extraordinaires, des qualités apparaître en nous, chez les autres. Et puis surtout goûter la paix, le bonheur, l'amour. Une fois qu'on commence à vivre de cette manière, on ne peut plus s'empêcher de vivre autrement. Parce que c'est supérieur. C'est une vie supérieure. Et c'est quelque chose qui est important. Moi, je sais que ma vie a changé à partir de ce moment. Avant, j'étais très égoïste. Et parce que j'étais très égoïste, j'étais vraiment frustré. Et à cause de ça, j'ai été vraiment violent. Et je me suis renfermé sur moi-même, à me moquer des autres, toujours, à avoir voilà, des fautes, à me réjouir de leur malheur quelque part. Et à être envieux quand ils étaient heureux. Mais lorsque je me suis dirigé vers une vie complètement différente et que j'ai pu mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer, alors j'ai vu vraiment une vie différente. Mais j'ai aussi compris que ce n'était pas facile pour tout le monde à accepter cette vie. On voit parfois des religieux, moi j'ai été au contact avec beaucoup de religieux, parler d'amour. De ceci, de cela, mais en vérité, souvent ils développent même une telle amertume envers les autres qui ne leur ressemblent pas, qu'ils ont une foi différente. C'est vraiment effrayant. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette reliance. Il y a une foi, mais il n'y a pas d'expérience. Lorsqu'on parle d'amour, et qu'on ne peut pas goûter l'amour, c'est complètement destructeur. En fait, on acquiert une telle frustration à l'intérieur. Et ils savent de quoi je parle. C'est pourquoi, à un moment, on a vraiment envie de se libérer. Et d'être centré sur notre véritable soi. Et c'est là, naturellement, que vient cette harmonie, cette reliance et ce désir d'être un ami. Et alors, c'est une vie d'expérience où on peut apprendre de tout le monde, où on peut progresser à chaque instant. On doit développer ce désir, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Hein, c'est pas du blabla. Ce n'est pas un livre, c'est une personne qui vous parle d'une expérience. Il suffit d'être un peu sincère. Il faut se recueillir à l'intérieur de nous-mêmes, fermer les yeux, et puis diriger nos pensées. Et avoir, alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, une prière, hein, de devenir un bon instrument. Et là, quand cette prière, elle devient constante, alors
Il y a une intelligence intérieure qui vient, qui vous nourrit et qui vous permet alors de devenir une meilleure personne jour après jour, jour après jour. Et c'est ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on progresse. Et le progrès, c'est bon, c'est merveilleux. Merci beaucoup.